tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, je pense, va être trop cool parce que aujourd'hui, ce week-end, donc samedi et dimanche, je vais à Matenon et Chartres pour le travail et on va faire des trucs trop cool. On va aller au spectacle Le Fabuleux Noël de Matenon. On va faire Chartres en lumière, on va manger des bonnes pizzas, des bons petits plats. Donc, je me suis dit que ça serait trop cool que je vous emmène et que je vous montre un petit peu tout ce qu'on va faire. Donc voilà, en tout cas, trop hâte. C'est moi qui fais et défais les noblesses. On est toujours assez bien né quand on est distingué par le roi. Madame, au commencement de l'an 1679, on ouvrit à l'arsenal une chambre ardente pour connaître le petit. Alors là, on vient de regarder, enfin d'assister au spectacle Le Fabuleux Noël de Matenon. Et c'était incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Je confie, hein, c'était magnifique, c'était fabuleux. Ça porte bien son nom, Le Fabuleux Noël au château de Matenon. Et il est incroyable, incroyable. Et elle se sent plus parce qu'ils vont l'appeler la Duchesse d'Orléans. La Duchesse d'Orléans, voilà, à la fin, j'ai dit, moi ça me va, hein, personnellement, je vais pas dire non. Donc c'était incroyable, c'était magique. Franchement, la galerie, on est arrivé dans une galerie à la fin. La chorale. Et... Ah, la chorale, c'était... Vraiment, on se trouvait dans une bulle, c'était incroyable. Le spectacle, les acteurs, c'est que des bénévoles en plus. Ouais. Franchement, magnifique. C'était incroyable. Donc voilà, là maintenant on va filer à Chartres pour le déjeuner et puis on voit après ce qui se passe. La cathédrale de Chartres. Thank you.
Alors là, on vient de rentrer à l'hôtel. C'est le Campanile à Chartres Centre. Il est 18h à peu près. On a bien marché parce que du coup, on est arrivé à Chartres. On allait manger une pizza à la Passacaille, je crois que ça s'appelle. Super bonne. Et après, on avait une visite des tours de la cathédrale. C'était super intéressant. Le guide était vraiment top, top, top. Je recommande 1000 fois. Et ensuite, on s'est un peu baladé dans les rues. C'est super mignon. Elles sont décorées pour Noël, donc c'est trop magique. Et on a bu un petit chocolat chaud au marché de Noël. Ça fait du bien parce qu'il faisait trop froid. Et là, on a à peu près une demi-heure à l'hôtel pour se réchauffer. Et puis après, on va faire Chartres en lumière et puis on va aller dîner. Donc, trop cool. Mais pour l'instant, j'en ai au top du top. Du coup, j'en profite aussi pour vous montrer ma tenue du jour qui vient tout de chez Vinted ou presque, en tout cas les pièces principales. Ça, c'est le nouveau blazer blanc que j'ai chopé sur Vinted. C'est la marque lyonnaise. En dessous, j'ai juste un petit col roulé blanc, tout simple, un sous-pull blanc. Ensuite, j'ai ce jean de roi de chez Weekday, c'est le Romwe. Il est top, j'adore. Il est ultra taille haute et je l'ai eu sur Vinted aussi pour 20 ou 25 euros. Et en bas, mes petites Nike Air Force One que je kiffe. Et je trouve que ça fait plutôt bien le job. Et donc, on va aller dîner. Ma petite tenue du soir. La cathédrale de Chartres, illuminée. De retour sur Orléans dans ma petite maison, je suis trop contente, j'ai passé un super week-end, un super moment, j'ai adoré Chartres, je connaissais pas du tout et c'était super mignon, super beau, en plus avec toute l'ambiance de Noël là c'était vraiment top, j'ai bien rigolé aussi, j'ai bien mangé, donc franchement un super bon week-end. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un format un peu différent que les autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve dimanche prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous. Ciao.